Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bon, tranquille. Et voilà, un journal français a été pris la main dans le sac en train de dire du grand n'importe quoi sur Kylian Mbappé. Ils ont encore une fois utilisé son nom pour dire absolument n'importe quoi. Et monsieur Mbappé, Mbappé-Pit, n'a pas manqué de le remettre à leur place, c'est-à-dire aux toilettes, parce que c'est là-bas que le caca doit être. Ou bien tu creuses un trou et tu fous le caca à l'intérieur et tu enterres le caca. C'est ce que Kylian Mbappé a décidé de faire suite à l'article fallacieux, menteur, arnaqueur qu'ils ont publié. Et je ne vais pas citer le nom du journal. Non, ce serait leur faire de la promo. Et ici, on parle de toi que si tu payes. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Voilà. Donc on a pu constater encore une fois que ce journal a édité un article absolument incroyable en disant que Mbappé aurait incité les joueurs de la FFF à ne pas faire grève parce qu'on ne laissait pas faire le Ramadan. Vous vous rendez compte? Le Ramadan, ça fait plus de 3 semaines que c'est terminé. Mais ils ont encore des histoires à raconter sur le Ramadan. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le Ramadan? Vous avez été choqués? Vous avez été choqués de voir des gens pratiquer leur religion? Ça vous a choqué? Oh là là, ils arrêtent de manger! Oh là là! Mais j'ai l'impression que eux, là, leurs infos, ils vont les chercher dans leurs rêves. T'imagines ça? Alors chef, je viens de faire un rêve absolument incroyable. Hakimi et Kylian Mbappé se seraient battus dans les vestiaires. Et là, t'as le chef qui répond: Oh! Mais c'est génial, j'ai déjà un titre. Hakimi, Mbappé, le divorce? Avec un point d'interrogation. Allez, ça part en l'édition. Mais vous êtes malade ou quoi? On ne va pas chercher les informations dans vos rêves et dans vos fantasmes. On fait des investigations. Hein? Ou bien vous allez dans les sources qui vous racontent que les mensonges, qui vous donnent du caca, et puis vous avalez le caca, et puis après vous vomissez le caca, et puis vous publiez. Oh non! Je ne vais pas parler surtout de tous ces médias qui n'arrivent pas à faire des articles mignons sur Mbappé. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi n'arrivez-vous pas à soutenir Kylian Mbappé, qui est l'un de nos meilleurs joueurs de foot français, si ce n'est pas le meilleur? Bien sûr, il y a Karim Benzema qui continue encore une fois à lui courir après. Mais bon, on sait très bien que Mbappé court très vite. Mais bon, vous comprenez? Mbappé fait partie des meilleurs joueurs français. Et il n'y a aucun média qui arrive à être gentil avec lui, à faire des articles qui le soutiennent, qui le mettent en avant. Toujours, les dossiers. Et en plus des dossiers qui ne sont même pas vérifiés. Je ne sais pas c'est où que vous allez chercher vos sources là. Mais arrêtez d'aller les chercher dans les toilettes et dans vos rêves. Et dans vos fantasmes, vous comprenez? Faites des investigations, faites votre travail.